Salut YouTube, salut les amis. Vidéo pissage de chacal. Non, parce que là j'ai vraiment les boules et la journée commence pas super quoi. Donc bah voilà, depuis que je suis levé, il y a mon propriétaire qui est à 30 mètres avec son tracteur là, il coupe du bois. Et le tracteur, bah ça fait 2 heures qu'il tourne. Donc je suis obligé de fermer ma fenêtre parce que déjà c'est hyper bruyant. Et ça pue. Ça pue le gasoil, ça pue l'échappement. Pour couronner le tout, y a les voisins qui viennent d'arriver. Donc c'est déjà vachement bruyant. La petite de 4 ans qui a une voix super aiguë, qui la ferme pas et qui fait tourner sa grand-mère en bourrique, et c'est juste insupportable. Oh, j'ai les boules, parce que bientôt ça va être aussi les voisins d'à côté qui vont arriver. Alors j'ai beau me remettre en question, hein, là c'est pas le problème, je m'interroge pourquoi je supporte pas tout ça. C'est vrai que si j'étais dans un endroit isolé, sans voisins, je souffrirais pas de ce désagrément de bruit. Qui m'agace, qui m'irrisse, qui m'agresse, qui m'insécurise. C'est ça en fait. Dès que j'entends trop de bruit d'humain, ça m'insécurise. Et puis quand je vois en plus la connerie qui peut sortir de leur bouche et de leurs actions. Vraiment, j'ai envie de changer de planète, mais je peux pas. Et je me dis, la seule solution, c'est d'arriver à supporter. Mais comment on fait pour supporter? Comment? À part aller se mettre dans une grotte à quelque part, pour se faire croire que tout va bien. Je suis accablé aujourd'hui. Accablé par la connerie humaine. Et par le décalage. J'aimerais être con comme tout le monde, en fait. Comme ça, je me rendrais pas compte. Et donc je souffrirai pas. Parce que eux, ils ont pas l'air de souffrir. Hein. Donc ouais, là. J'ai bien essayé de transposer, comme la chamane elle dit. Ce qui est à l'extérieur, c'est les reflets de l'intérieur. Alors, quand je me suis énervé dans moi contre le proprio qui fait du bruit et de la pollution, je me suis dit, ok, alors ça c'est mon extérieur. Où est-ce que je fais de la merde à l'intérieur? Ben, j'en sais rien. J'ai pas de réponse. Par contre, ben voilà, je suis hyper angoissé, hyper énervé. J'ai envie de mettre des coups de pelle. Et je vois que quand j'arrive à un stade comme ça, où même mon chien, je le supporte pas, ben je crois qu'à ce moment-là, je dois pouvoir dire que je suis l'introjecte persécuteur femme. Et presque je pourrais le confirmer, étant donné que y a que moi qui me tape le ménage. Et que du coup ça a été fait. Donc ouais, je sais pas trop ce que je vais faire de cette journée là. Faut que j'arrive à baisser la pression et la colère surtout. Et m'accrocher au tout est parfait. En fait, quelque part, moi, ça me dérange pas, hein, les humains qui font de la merde. Du moment où ça vient pas m'impacter. Enfin, que ça vient pas m'impacter, que ça vient pas dans mon champ, dans ma bulle. Genre, les voisins, le proprio, c'est trop dans ma bulle. Voilà, voilà, ça va être une sacrée journée. Et pareil, du coup, par rapport à ce que la chamane, elle raconte, le fait de s'ouvrir, oui,
On peut continuer à essayer de s'ouvrir, mais par contre, lever d'abstinence, non, 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 n'importe quoi. Et la petite parano hier, elle disait peut-être même que la chamane ne dirait pas des trucs comme ça et que ça pouvait être induit par la programmation. Donc on va rester méfiant par rapport à ça et aller à notre rythme. On n'a pas de décision à prendre. Et puis quoi dire d'autre? Ben, je vais peut-être arrêter là parce que c'est un peu pourri ce que je vais à dire aujourd'hui. J'espère juste que je vais réussir à changer ma vibration parce que sinon la journée elle va être longue et chiante. C'est ça, j'ai la sensation qu'on pourrait faire tellement de trucs géniaux sur cette planète. Eh ben non, ben non, c'est mieux de faire de la merde et des trucs pourris et tout, et détruire tout, ouais, c'est mieux. C'est vrai, c'est mieux. Oh là là, j'en ai un cynique là qui vient de dire des trucs pas beaux dans ma tête. Bon, et ben voilà, hein. En tout cas, merci. Les deux derniers commentaires que j'ai reçus sous, je sais plus c'était laquelle vidéo, la 149 peut-être. Ça nous a fait vachement plaisir, ça nous a fait vachement de bien. Mais bon, ouais, ça change pas le schmilblick. Je me dis que peut-être il faudrait qu'on se rassemble un peu les gens qui pensent la même chose. Je sais pas si ça ferait quelque chose, mais au moins on se sentirait moins seul. Voilà, bon, je vais arrêter parce que ça plombe quand même, ça plombe et ben voilà, suite au prochain épisode. À plus.